Il faut se regarder comme on est. Et quand on se regarde comme on est et que l'on s'aime bien, on s'accepte, alors le silence est dissous et la personne peut commencer à entrer dans un dialogue. Les choses n'ont pas besoin d'être noires et blanches. Les choses sont beaucoup plus intéressantes si elles sont grises et si elles sont subtiles. Moi, je veux inventer quelque chose. Je veux inventer une écriture et des signes. Je veux inventer des signes. L'histoire ne m'intéresse pas. Moi, j'en ai perdu sur la tête de l'histoire et de la tradition. Louise Bourgeois est née à Paris le 25 décembre 1911. Elle est la seconde fille d'une famille de 3 enfants. Sa mère restaurait des tapisseries rapportées par son père au cours de ses nombreux voyages, prétexte pour lui à s'éloigner de sa famille. Il partait également sur les routes à la recherche de statues qu'il collectionnait, ce qui a beaucoup marqué Louise Bourgeois et lui a donné le goût de la sculpture. En 1912, il s'installe à Choisy-le-Roi, où elle passe une partie de son enfance. La maison familiale constituera une des matrices de son travail. Après son baccalauréat, Louise Bourgeois poursuit des études de mathématiques à la Sorbonne, en même temps qu'elle fréquente les ateliers Ranson, Julian et la Grande Chaumière. En 1937, elle rencontre l'historien d'art américain Robert Goldwater, avec lequel elle se marie. Un an plus tard, ils partent pour les États-Unis. En 1949, à l'âge de 38 ans, elle réalise sa première exposition personnelle de sculpture. Pendant les années 50, la position de Louise Bourgeois reste marginale. Dans les années 60, sa sculpture prend une nouvelle dimension. Elle expérimente les matériaux les plus divers, le latex, le marbre, le ciment et le bois. Sa rétrospective au moment en 1982 entérine la reconnaissance du milieu artistique. Louise Bourgeois devient une référence pour les jeunes générations d'artistes. En 1993, elle représente les États-Unis à la Biennale de Venise. Elle y expose 4 sculptures, 4 cellules comme elle les nomme. C'est dans son atelier de Brooklyn, avant le départ de ses œuvres pour Venise, que je l'ai rencontrée. Lorsque je suis retournée en France et que j'ai cherché la maison, je l'ai cherchée en vain, puisqu'elle avait été démolie et remplacée par le théâtre Paul-Éluard. On détruit beaucoup de choses en France, comme indiqué ici par la guillotine, c'est-à-dire que le passé est guillotiné par le présent, et c'est tout, voilà. La guillotine, c'est aussi peut-être une référence à la Révolution française, non, quelque chose qu'on pas, voit pas non, vraiment. Non, non, la guillotine est un instrument convaincant que le passé disparaît. Et évidemment, quand on constate que le passé disparaît, il y a un certain choc et il y a une certaine peine. Oui, cette maison a disparu. Oui. Et donc elle existe maintenant comme une œuvre d'art. C'est ça. Et c'est souvent dans votre travail que ça se passe. C'est un exorcisme. Que ça se passe de cette manière. C'est-à-dire, c'est à la fois une manière d'oublier, de ne pas oublier. C'est ça. Il est très difficile de recréer le passé. Parce que le passé a deux visages. C'est le visage positif. Quelqu'un a dit, mais Louise, c'était une jeunesse dorée. C'est idiot de dire ça. C'était une jeunesse dorée d'un point de vue, mais c'était une jeunesse très pénible d'un autre point de vue. C'est-à-dire que au sein de la famille, il y avait comme un virus qui était traumatique pour nous, pas seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que nous souffrions d'une fissure dans la cellule familiale. Et cette fissure représentait, c'est bien français, était représentée par le fait que mon père introduisait des maîtresses. Ça, c'est son affaire. Mais je ne le juge pas. Mais il introduisait des maîtresses
dans la maison. Et c'est là que le trauma a eu lieu. Et donc la guillotine, elle est là aussi pour mentionner cet aspect aussi. Oui, pour mentionner que les gens se guillotinent à l'intérieur d'une famille, que la cruauté n'a pas lieu simplement du point de vue du passé qui est guillotiné par le présent, mais que la guillotine s'exerce à l'intérieur des familles. Donc il y a une violence qui n'ose pas dire son nom le plus souvent, parce que ouais. Apparemment dans les histoires de famille, tout est recouvert, tout est calme, c'est ça. Les choses vont bien, et en réalité il y a une cruauté terrible oui. qui ne se montre pas. Et donc vous avez voulu aussi exprimer... Qui ne se montre pas et qui ne s'oublie pas. Alors il faut recréer ce passé et espérer être objectif de façon à s'en débarrasser. Bien sûr. Vous pensez qu'on peut se débarrasser du passé ? Ben, il faut se débarrasser du passé. Sans ça, on étouffe. Oui, oui, mais c'est très difficile de se débarrasser d'un passé. Ça, c'est un genre de légère de main que mon père avait appris pendant qu'il était à la guerre. Dans les tranchées, il me disait toujours, tu sais, dans les tranchées, on avait tellement de temps et on avait tellement peur et c'était tellement terrible que l'on s'amusait à des jeux. Il est, par exemple, c'est dans les tranchées qu'il a appris à être très bon joueur d'échecs, joueur de cartes. Et puis alors ça, c'est une des choses qu'il avait appris là-bas. Bon. Avec un couteau, on va dessiner une personne, une femme dans l'orange. Vous voyez, voilà sa tête, voilà ses seins, là, les gros seins. Voilà son ventre. Alors, on la détache comme ça. Et puis alors, elle a une grosse chevelure. Et puis alors, devant, on soulève ses seins. Et puis alors, on soulève son ventre, vous voyez, comme ça. Et puis alors on dit, ah ! Alors, voilà, on fait ça. Et alors, le père dit, regardez, mes enfants, c'est superbe. Regardez ce qu'elle a. Et je n'ai pas besoin de vous dire, puisque ça se passait à table, aux réunions de famille, je n'ai pas besoin de vous dire que cette petite figure est un portrait de ma fille. Je ne dis pas d'Henriette, mais je dis de Louise. C'est une petite figure de Louison. Et alors j'ai complètement raté mon coup, puisqu'il est inutile de vous dire que Louise n'a rien là. C'est une erreur, je regrette, mais c'est une erreur. Alors c'était des réflexions qui avaient à voir avec la sexualité enfantine et qui étaient très cruelles. Alors non seulement j'étais bossue, mais j'avais rien à cet endroit-là. Alors vous pensez comment je me trouvais, moi. Alors quelles conséquences ça a eu? Je sais pas, ça a eu des conséquences. Bref. Alors, c'est ça que vous voyez dans mon travail, c'est ça. C'est pas explicite. Moi, je suis explicite ici. Sans ça, peut-être vous comprendriez pas. Mais ça, c'est mon travail. Ça a été « The Destruction of the Father ». Parce qu'il s'était moqué de moi avec tellement de cruauté, j'ai fait beaucoup de pièces qui représentent la destruction du père. Ça, c'en est une. Maintenant, c'est au musée. Tout ça, on en a bien pris soin de façon à ce que cet événement est entré dans l'histoire. Hein? Pourquoi pas? C'était une histoire vraie. C'est ça la question. C'était une histoire vraie. Alors. Puisque moi j'ai été démolie par mon père, pourquoi est-ce que je démolirais pas les autres? C'est ça, c'est une espèce de conversion. Alors je prends un animal qui est vraiment un animal masculin, vraiment un animal masculin. Pour me moquer de lui, je lui donne des seins. Puis après lui avoir donné des seins, je lui donne une deuxième paire de seins, pourquoi pas? Et puis après, eh bien, je lui coupe la tête. C'est une forme de taquinerie. Comme j'ai été taquinée, tu m'as taquinée, je vais te taquiner.
Mon père voyageait tout le temps. Et il trouvait les tapisseries, il les ramenait chez nous. Elles avaient toute la partie inférieure de la tapisserie était bouffée, il ne restait plus rien. Ça veut dire que les pieds des gens étaient partis. Les pieds des chevaux étaient partis, le pied des gens, tout ça. Et c'était mon devoir de réparer et de refaire tous les pieds. Voilà. Je n'avais pas besoin de savoir comment faire une figure. Les pieds étaient nécessaires et suffisants. Nécessaire et suffisant. Alors, j'étais une spécialiste des pieds. Ce qui était embêtant, c'est qu'il y avait beaucoup de cupides et que les cupides avaient des génitales qui se voyaient, qui se voyaient. Les grands amateurs de tapisserie étaient des puritains, c'est pas des Anglais, vous n'avez pas le rond, mais les Américains étaient des puritains, et alors les femmes américaines ne voulaient pas voir des cupides dans leur salon. Alors, ma mère prenait ses petits ciseaux, hein, et puis elle coupait les génitales. Elle les sortait, elle les mettait tous ensemble, n'est-ce pas, que c'est une femme ordonnée, elle les mettait tous ensemble, une petite collection, et puis elle les faisait disparaître. Et jamais, on fallait, jamais si Wanamaker came ou si les grands collectionneurs américains venaient, on avait des choses pareilles, comme ça, à Wagner Open. Ils seraient morts de honte. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des fleurs, vous comprenez? Au lieu des génitales, on mettait des fleurs. Je coupais des chrysanthèmes, et puis il y avait des petites pommes tapis, et puis des petits raisins, tout ça, et alors on plaçait ça à la place des génitales, et alors après, il fallait que ça soit rentraillé, bien fait, bien fait. Mais nous étions très, très, très soigneux. Ma mère ne pouvait pas supporter les hivers de Paris, parce qu'après la guerre et la grippe espagnole, elle était restée très fragile. Et par conséquent, nous partions en expédition vers le midi, tous les ans. On descendait par le train bleu, et puis alors papa nous suivait avec la voiture, et avec CD dans la voiture. CD qui était là pour nous apprendre l'anglais, à Henriette, à Pierre et à moi, était vraiment là pour, comme maîtresse de mon père. C'est ça. Alors forcément, ça avait des conséquences psychologiques sur les enfants, forcément. CD qui était là pour nous apprendre l'anglais à tous les trois. Elle n'aimait pas beaucoup ma sœur et elle détestait mon frère. Et avec moi qui restait, alors elle s'est concentrée pour m'apprendre l'anglais. Hein? Pour m'apprendre l'anglais. Nous nous trouvons tous les deux ici dans cette cellule entourée de 5 flotteurs, je crois, des flotteurs qu'on utilise pour la pêche. Et ici, sur cette table, donc, nous avons ces mains qui ont une position très, très singulière. Il y a une atmosphère, comment vous dire? La question que j'ai envie de vous poser. Tendue. Tendue. Une atmosphère tendue, un peu d'école, un peu dans une situation un petit peu scolaire, sans doute. C'est ça. L'école est quelque chose de fondamental aussi pour vous, au même titre que votre maison. Oui. J'ai été très heureuse à l'école. Mon école était le lycée Fénelon et j'y ai passé 11 ans. Et je n'ai que du bien à dire de Fénelon. Pour moi, c'était un refuge. C'était un refuge fermé, complet, qui m'isolait de la maison. Je me souviens de tous mes professeurs, et c'était pour moi une... C'était pas une jeunesse dorée, mais c'était une maison où j'aimais fonctionner. En classe de troisième, je suis sortie première de tout le lycée. J'étais ravie, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi tout à fait. Je t'ai première, j'ai jamais très bien compris. Mais vous étiez la plus forte, c'était dans quelle matière ? Non, c'était pas la plus forte. J'étais pas la meilleure, j'étais la plus versatile. Et aussi, je considère que c'était une chance, jusqu'à un point de vue, jusqu'à un certain point, c'était une chance dans le sens où je pouvais exprimer à mes professeurs le fait que je les aimais. Est-ce que je les aimais ? Ou est-ce que j'essayais de... Ou est-ce que j'essayais d'apprendre d'eux, c'est-à-dire de leur prendre leur sagesse et leur savoir? Je crois que c'est le second. Maintenant, ça c'est une cellule où c'est très différent. La vie m'a placée dans un rôle de professeur. Ces mains représentent le fait que le professeur ou le mentor réalise que ces boules sont des organismes fermés, sont des organismes totalement fermés et totalement finis, au point où, si on les touche et si on les malmène, ils brisent. Par conséquent, le mentor a à voir avec des rigidités. Qui ne sont pas entamables. Et c'est ça que ça exprime. C'est que les gens sont... Parce que j'ai eu des enfants, et j'ai même deux petits-enfants, dont l'un est Alexandre. Et je me suis rendu compte, parlant Je ne me suis entendue avec Alexandre qu'au jour où je me suis rendu compte qu'il était une formation totale, imperméable, intouchable, tellement il était fragile, et qui était là pour toujours. Nous étions en face l'un de l'autre pour toujours. Et moi, je n'allais pas le changer. Et la vie m'a donné raison, parce que personne ne peut changer les opinions et les projets d'Alexandre. Personne. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est à la fois, chaque individu est à la fois quelque chose donc de dur, d'irréductible et de précaire. Très précaire. C'est ça que ça représente ici. Et c'est tellement précaire que toutes ces boules sont en équilibre instable. Si on y touche ou si on touche à leur support, ils vont tomber. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire, échouer. C'est ça. Ils vont vous faire échouer. Il y a toujours cette idée d'un danger possible dans ce que vous mettez en œuvre. Toujours. Comme s'il y avait quelque chose qui était suspendu. Une menace, naturellement, oui. Mais aussi... Mais une menace que l'on peut traiter, avec laquelle on peut négocier, mais que certainement on ne peut pas changer. Le changement n'existe pas, la chose est immuable. Aussitôt que je suis arrivée ici, je me suis mise à avoir le mal du pays, sans le savoir. C'était un mal du pays qui était souterrain, qui était inconscient, et sans savoir pourquoi, je me suis mise à recréer des présences. J'étais sur le toit de la maison, et sur le toit de la maison où personne n'allait jamais, parce que c'était dangereux, il y avait des tuiles qui tombaient, et j'ai recréé tous les gens que j'avais laissés en France. Alors, ils étaient massés les uns contre les autres et ils représentaient tous ces gens dont je n'aurais pas admis, qui me manquaient. Je n'aurais jamais admis ça. Mais le fait est qu'ils me manquaient désespérément. Alors, ça explique la présence de ce travail-là.
Bon, cette femme maison, ici, représente une femme inconsciente d'elle-même, puisqu'elle est toute nue, elle ne le sait pas. Elle est toute nue et elle ne sait pas qu'elle est nue. Bon, c'est possible, ça. Elle est partie dans un pays où elle a besoin de reconstituer et de collectionner et de serrer de près d'elle une maison vide. Alors, cette petite main qui est comme ça veut dire « Venez à mon secours, il y a quelque chose qui me fait mal, je souffre dans cette situation. » Alors, cette main comme ça qui dit « S'il vous plaît, ne m'oubliez pas, venez me chercher parce que j'ai le mal du pays. » Alors ici, il y en a trois. Là, il y en avait une, maintenant, il y en a trois. Ça, c'est évidemment une maison tragique. C'est une maison tragique, pourquoi ? Parce que c'est pas éclairé, on ne sait pas ce qui se passe, la porte est très noire. Et puis alors, cette femme, regardez ses jambes. Cette femme est inconsciente d'elle-même. C'est évidemment quelqu'un de très érotique qui ne sait pas qu'il est érotique. Oh, ça va mal. Et alors, qui dit « Venez, venez me chercher et venez me rescaper de l'éroticisme. » C'est possible ? Voilà, c'est ça mon interprétation. Ça, parlant d'Azizani, ça, c'est une maison du Sud. C'est une maison institutionnelle, c'est-à-dire que c'est une courthouse. Ben, et courthouse, c'est là où tous les gens se disputent. Ça, c'est un fait. Par conséquent, c'est une chose très tragique. Et encore, il y a les ailes là qui vous disent « Essayez de venir à notre secours, essayez de mettre la paix dans le courthouse. » Vous voyez que c'est très... C'est très ambitieux de mettre la paix dans une courthouse. Très ambitieux. Alors ça, au lieu d'être ambitieux, c'est quelqu'un qui s'est résigné et qui est at peace. C'est une femme. All these are, I'm a woman, so I talk about women. I don't talk about a subject I don't know. Et alors, il y a une maison là, il y a une belle maison. Toutes ces maisons sont belles, ben, il y a une belle maison. Et elle supporte sa maison, elle ne s'est pas détachée de sa maison, et pourtant elle est résignée. Ici, toutes ces petites femmes sont comme ça, hein. Pas de blague, ce sont des femmes qui combattent. Mais là, il y a une espèce de breakdown of something, et la femme est résignée. Ça a été une partie, à une certaine époque, dans les années 70, j'étais un peu découragée, et voilà, j'étais résignée. Et puis après, j'ai repris du poil de la bête, et puis j'ai recommencé à combattre. J'ai découvert, dans les années 90, que les femmes maisons étaient des maisons vides. Ça a été pour moi une surprise et une révélation, et ça a donné fin. Ça a terminé une obsession que j'avais. Qui était un désir de collectionner, non seulement de les peindre, non seulement de les faire en trois dimensions, non seulement de les construire, mais de les posséder. Et ça a causé des embarrassements terribles dans la famille, parce que tout le monde disait avec juste raison, mais on n'en a pas besoin de maison, mais pourquoi faire ? Et alors, ça a été le commencement d'une conscience qui m'est apparue très lentement et qui prouvait que les maisons vides étaient d'abord une obsession très coûteuse. Si on n'a pas d'argent et qu'on collectionne les maisons vides, c'est difficile. Mais il y a aussi une autre situation qui est d'acheter des maisons vides quand on en a les moyens, ce qui est mon cas. Quand je collectionne des maisons vides, je me prouve à moi-même que dans toutes ces maisons, personne ne se dispute. C'est ce que j'appelais la zizanie. Parce que j'ai entendu, quand les maisons étaient occupées, des gens qui se disputaient. Et pour moi, les gens qui se disputent, c'est une chose traumatique. J'ai très peur des scènes. Et j'ai surtout peur des scènes, pas entre moi et quelqu'un d'autre, mais j'ai peur des scènes entre deux autres personnes. J'avais évidemment peur des scènes entre mon père et ma mère, c'était pour moi terrorisant. Et pour tourner du passif
qui est la victime, dans l'actif, qui est le réparateur, au lieu d'être une victime, je présente deux grosses plantes, qui sont évidemment le père et la mère, et moi je suis la petite, et l'attention est telle, la terreur de la zizanie est telle que la petite se casse. Ben évidemment, la petite elle est presque morte, elle se casse. Et comme le temps, nous devenons plus vieux tout chaque jour, et le temps répare les choses, on voit que la petite qui était presque cassée se met à... Il y a quelque chose qui germe là, qui va être réparé. Et alors, et comme c'est ça le drame est là, alors je l'amplifie pour le rendre plus réel, et je vois ici la cassure. Vous voyez, la cassure, la petite s'est presque cassée à cause de cette souffrance. Et alors, ce n'est pas la fin. Le printemps revient. La réparation a lieu. Les choses vont s'arranger. L'enfant va grandir et survivre. Et alors, vous voyez, il y a la cassure comme ça et la petite guérison qui se présente. Mais j'ai toujours dit, moi, que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui, je suis beaucoup plus raisonnable. Et je m'entends avec tout le monde. Les gens ne me brisent pas, les gens ne me cassent pas. C'est-à-dire, c'est le chêne et les roseaux. Au lieu de présumer être un chêne, ben, quand on accepte d'être un roseau, on ne casse pas. On continue. Ma mère avait de l'emphysème. Alors, nous partions en expédition dans le sud. Et ces départs, évidemment, favorisaient les escapades de mon père, qui était libre ainsi de sa famille pendant 4 mois de l'année. Cela se passait au début des années 30, donc. C'est ça. Alors, à ce moment-là, comme ma mère n'était pas bien, je lui mettais des ventouses. Et aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est que des ventouses, excepté les Chinois. Qui s'en servent encore. Mais à ce moment-là, on plaçait les ventouses. On plaçait les ventouses sur le thorax devant et sur le thorax derrière. Et supposément, les ventouses faisaient beaucoup de bien. Les ventouses et les cataplasmes faisaient beaucoup de bien aux malades. Alors, ça m'a donné une espèce d'intérêt, pas dans la cure de ces maladies, mais dans l'histoire des traitements. Et cet intérêt obsessionnel est encore présent chez moi. Et il y a toute une série de sculptures qui représentent les ventouses que je place sur le dos de Jerry. Comme exorcisme. Alors, nous arrivons à ce phénomène, qui est le phénomène de l'hystérie. Et alors, j'ai touché à ça lorsque j'ai parlé du Gilles de la Tourette syndrome, n'est-ce pas ? Le souvenir de l'arche de l'hystérie, qui date de Charcot. L'arc hystérique, non ? L'arc de l'hystérie, c'est ça, et de l'époque de Gilles de la Tourette. Alors, c'est devenu une œuvre d'art qui va aller à Venise et qui est ma dernière statue. Ou alors, ce n'est pas une femme qui est hystérique. C'était une conception du 19e siècle. Au 20e siècle, il y a des hommes qui sont hystériques. Alors, Jerry m'a prêté son anatomie ici. Cet arc, c'est un homme, et on n'avait pas besoin des bras, hein. C'est pas la peine de s'encombrer de choses dont on n'a pas besoin. Alors on a coupé les bras, puis on a coupé la tête, hein. Comme ça, ça veut dire qu'on s'est servi de cette chose du 19e siècle ici. Donc l'arc hystérique, c'est à la fois une statue au fond qui représente quelqu'un en état d'hystérie, mais en même temps quelqu'un en état à la fois de souffrance, d'une certaine manière. Mais bien sûr, c'est l'expression d'une tension phénoménale. Mais il est venu ici un visiteur
qui, après avoir examiné toutes ces pièces, m'a dit, mais tu sais, Louise, ça m'a fait un effet extraordinaire, cette statue de l'hystérie, parce que moi, remarque, je ne suis pas hystérique, mais je suis épileptique. J'ai considéré ça comme un très grand compliment que Max, qui est un très beau garçon, vraiment, me dise, je fais de l'épilepsie. De l'épilepsie. Alors je lui dis, ce qui m'intéresse énormément, c'est de savoir, quand tu as une attaque d'épilepsie, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu as des fantasmes? Est-ce que tu es érotique? Alors il m'a dit, mais Louis, c'est pas ça du tout, voyons, c'est idiot ce que tu dis. Je n'ai qu'une idée, quand j'ai ma crise, c'est de savoir où se trouve le sol. Parce que si je suis par terre, je ne vais pas tomber. Hein? Mais alors, si je tombe et que je me fasse du mal dans l'autobus ou tout ça, c'est une catastrophe. Par conséquent, la seule idée que j'ai, la seule idée consciente que j'ai à ce moment-là, c'est de pouvoir me mettre par terre. Alors, il a détruit cette idée que j'avais que quelqu'un dans un état d'hystérie est quelqu'un qui est très amoureux. Vous savez, cette idée-là. Bien sûr. Oui. C'est un emploi un ouais. peu... Et alors, à ce moment-là, nous avons décidé que l'épilepsie n'est pas une maladie nerveuse. Ce n'est pas une maladie nerveuse, c'est une maladie mentale. Moi, les maladies mentales, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais les maladies nerveuses m'intéressent. Oui. C'est important peut-être que votre modèle vienne ici, peut-être, dans cette cellule. Oui. Oui, oui. Parce que c'est important d'avoir, au fond, on pourrait dire, l'original. Est-ce que vous avez fait, je ne dirais pas la copie, parce qu'il ne s'agit pas d'une copie, mais une sorte de mise en tension de votre modèle. Votre modèle a été mis en tension, d'une certaine manière. Peut-être ça serait... Peut-être que Jerry peut me répondre en anglais, ou peut-être, Louise, vous pouvez faire un entretien avec Jerry en anglais, je pense que ça serait bien, sur cette relation, puisque c'est aussi une relation... Jerry est votre assistant, celui qui s'occupe de votre art. Non, essayez pas de définir Jerry. Oui, non, c'est un peu difficile. Ouais. Un peu difficile. En tout cas, c'est quelqu'un qui a joué ici. Non seulement c'est quelqu'un d'important, mais c'est aussi quelqu'un de gentil, parce qu'il s'est prêté à ses élucubrations. Il s'est prêté, oui. Il a prêté son corps à ce chose. Oui. Et le fait de lui couper la tête, c'est quand même un acte extrêmement symbolique, fondateur de quelque chose. Ça, c'est personnel aussi. Enfin, vous exagérez. C'est personnel. Mais on pourrait aller chercher ses bras, parce que ses bras existent. Hein? Mm-hmm. Can we get... The arms? Mm-hmm. Yes. Ouais. Ces bras existent, mais vous les présentez pas là. Non. Ils sont absents. Ma licence poétique, c'est de supprimer les bras, c'est de supprimer la tête, et puis si je veux, d'aller chercher les bras et de les remettre, et de considérer toutes ces choses. Par conséquent, le glas. Hein? C'est comme ça. On peut le mettre là. Voilà. Voilà. On le reconstitue. Voilà. Voilà. On considère le sang et on considère le avec. Et puis là, il y a l'autre bras aussi. Et tout ça, ça va être bien fait en bronze. Vous tenez à ce que ça soit, que ça passe dans une matière comme le bronze. Absolument, absolument. Parce que le bronze donne une. Ben, le bronze a deux qualités. D'abord, c'est éternel. C'est une chose importante, durable, éternelle. Et puis aussi, quand on a un bronze poli, et vous pouvez voir par la préparation du plâtre que ça sera un bronze poli, en ce sens que le plâtre est poli. Et alors, quand c'est bien fait, on s'approche comme ça et on voit sa réflexion. J'adore. Vous voulez dire, c'est que c'est une forme de miroir. C'est ça. Ouais. J'adore le bronze poli. Et Jerry était ravi. De se prêter au sens, à tous les sens du terme. Parce qu'il entre dans l'histoire, il entre dans l'éternité. Mais avec une tête coupée, malgré tout. Oh bah, il ne peut pas tout avoir. J'étais aux Beaux-Arts, quoi, à l'âge de... après le lycée, de 20 ans. 20 ans. Et alors, je faisais le dessin du modèle qui, ce jour-là, était un modèle masculin. Ouais. Et
pendant que je faisais mes croquis, tout d'un coup, le modèle a eu une érection. Et ça, j'étais renversée. Ça a été au Beaux-Arts, ça a été ma plus grande surprise. Et alors, je me suis dit, c'est triste d'être vulnérable, vous savez, à ce point-là, devant tout le monde, comme ça. Il a dû être embarrassé, quand même. And I felt sorry for him. J'ai compati, je trouvais que c'était... Il pensait peut-être que nous étions cruels, ou nous allions être cruels, ou nous allions rire, vous comprenez, ou quelque chose, et ça m'a embarrassée. Je trouvais que c'était très triste, et je ne savais pas que les hommes étaient vulnérables. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire du mal, qu'on pouvait faire de la peine à un homme. Ça m'était jamais venu à l'idée. Jamais. Bon, enfin, on va à l'école pour apprendre. Alors, j'ai appris ça. J'ai l'habitude de prendre soin des hommes. Pourquoi ? Parce que j'avais 3 fils et j'avais un mari et j'étais supposée prendre soin des 4 dans cette pièce qui était la salle à manger. Et je les aimais tous les 4. Je ne dis pas que j'étais très égale d'humeur. Je ne suis pas très égale d'humeur. Mais je les aimais beaucoup tous les 4, plus le chien. Alors, quand j'ai apporté ce chose, vous comprenez, c'était un objet aimé. C'était pas un objet horrible, c'était un objet aimé. Et ça veut dire aussi l'expression, ça veut dire que quand je porte un petit phallus comme ça, n'est-ce pas, eh bien, je trouve que c'est un objet gentil et que c'est certainement pas un objet auquel je vais faire du mal. Ça, c'est clair. Et la fillette, aujourd'hui, appartient au Musée d'Art Moderne. Eh bien, ça a à voir avec une pièce de 1992 qui a été faite et qui a été exposée au Musée d'Art Moderne qui s'appelle de Tous Hommes. Tous Hommes en français, ça veut dire un dialogue, ça veut dire deux gens. Et bien sûr que c'est un homme et une femme. Par conséquent, c'est une relation psychologique qui n'est pas opposée au sexuel, évidemment, mais qui est trisexuelle. Trisexuelle. C'est-à-dire que c'est l'attirance de l'élément féminin et de l'élément masculin avant la fornication. Ça peut avoir comme interprétation une attraction sexuelle, mais ça peut aussi avoir l'effort de l'enfant qui cherche l'indépendance à tout prix, l'indépendance à tout prix, et qui s'échappe de la tyrannie parentale, qui s'échappe comme le petit pousset, et puis qui ne sait pas quoi faire de son indépendance, alors qu'il revient. Qu'est-ce qu'il peut faire, pauvre type? Il faut qu'il revienne, puisqu'il ne sait pas où aller. Alors il s'échappe encore, et puis il revient. Alors les parents, qui sont dans ce cas la gentillesse, comprennent ça. Et alors ils vont le sauver en lui mettant ses petits cailloux. Naturellement, l'enfant n'est pas conscient de ça, mais c'est les parents qui protègent l'enfant. Ça, c'est une espèce de show-off. Hein. Je suis ravie, moi, d'avoir tout ce que vous pourriez peut-être appeler des mamelles et des seins, comme ça. Alors, je les ai fait très gros, j'en ai fait une multitude, et comme je sais que les hommes aiment ça, puisqu'on me l'a dit, alors moi, je me suis vêtue de ce vêtement. Et si vous regardez la figure, si vous regardez l'expression, je suis très contente, je suis ravie. Alors, cette petite figure, elle a les genoux cassés, elle fonctionne très mal, elle est pendue par un fil, ça veut dire qu'elle ne sait pas très bien où elle est, elle est un petit peu... Elle essaye très fort d'être parfaite, mais elle a du mal. Elle a du mal, mais enfin, il faut quand même avoir le courage de voir que l'on est ridicule. C'est de ça que mon travail est fait. Thank you.
après Fénelon, je suis allée directement à la Sorbonne en mathématiques, qui s'appelait mathématiques supérieures. C'était la géométrie. J'avais la passion de la géométrie pour cette raison. C'est que dans ma maison, chez moi, tout était aléatoire et changeait tout le temps. Ça veut dire les maîtresses. On ne savait jamais sur quel pied danser. Et quand j'ai vu qu'il y avait une science qui vous enseignait que les règles étaient fondamentales et finales, ça a été pour moi un refuge. C'est-à-dire que les lois sont immuables, ne changent pas. Ce ne sont pas comme les lois des relations personnelles. Nous travaillons dans l'imparfait ici. Hein. Tout est imparfait. Et c'est ça qui nous fait travailler, de devenir de plus en plus parfait. Toutes ces pièces sont imparfaites pour des raisons différentes. La plus simple, c'est celle-ci. Alors, elle fonctionne. Elle fonctionne, c'est-à-dire que toutes les formes s'emboîtent les unes dans les autres pour former un tout. Un tout qui n'est pas parfait, mais auquel on peut avoir confiance. C'est une loi de la géométrie et on peut reproduire à volonté le phénomène qui s'est passé là. C'est imparfait dans le sens que si je retire ma cale, n'est-ce pas, je trouve qu'elle est fragile. C'est une petite figure fragile, comme nous sommes fragiles, comme nous souffrons d'être fragiles. Et alors, ça serait mieux s'il y avait une cale en dessous. C'est-à-dire si la géométrie était plus parfaite. Alors, je suis dissatisfaite de ça, et ça ne quitte pas l'atelier, parce que ce n'est pas prêt à être présenté comme une œuvre d'art valide. Celle-ci, c'est parfait. Celle-ci est très près de l'autre. Esthétiquement, je l'aime assez. Et la raison pour laquelle je ne la laisse pas sortir de l'atelier est qu'il y a une imperfection, n'est-ce pas? Une imperfection, on peut tout la démolir. L'imperfection est que, vous voyez qu'il y a un, comment est-ce que l'on dit? Un pivot? Oui, là. Et si la chose était parfaite, elle n'aurait pas besoin d'être montée sur un axe. L'axe ne serait pas nécessaire, l'axe ne devrait pas être là si notre géométrie est parfaite. Comme vous voyez dans celle-ci, il n'y a pas d'axe ici. Il y a un axe là, par conséquent, il faut que j'y retravaille. Ici, c'est un essai, toujours le même, n'est-ce pas, à monter cette tour de façon à ce que on puisse la démonter, on puisse la remonter. Il n'y a pas d'axe, évidemment. Et alors, celle-ci est presque bien, mais le morceau du haut, il y a une faute dans les mesures, hein, comme vous voyez. Et alors, le morceau du haut a été coupé trop profond. Ce n'est pas parfait, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'elles sont là. Elles sont là parce que je suis dissatisfaite. Quand on est à l'aise avec la géométrie, et que l'on peut tout réduire à la géométrie, avec satisfaction et avec grand plaisir, alors on peut devenir ironique et contrôlant, c'est-à-dire on peut contrôler le corps humain, les objets de tous les jours. On peut les contrôler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'en moquer, on peut les déformer, on peut les tordre. Et cette notion de contrôle a fait que j'ai pu contrôler mon mal du pays. Je veux prouver que quelqu'un qui a le mal du pays a le droit d'exister et le droit de le dire et se fout complètement de ce que les gens en pensent. Il a le droit d'exister. Ça, c'était une forme de révolte, une voix qui disait « Tu as une jeunesse dorée, tu as eu une jeunesse dorée », quelqu'un dit ça, et tu as une belle famille, hein, tu as un mari, tu as des enfants, tu as un chien, tu as un chat, tu as une maison, tu as la rivière, tu as le ciel bleu. Et malgré tout ça, il y avait quelque chose de mort. Et il fallait que je le ressuscite. Et ce que je voulais ressusciter, c'était le droit d'être malheureuse, le droit d'être en deuil de la France. C'est ça. C'est pas très compliqué, mais c'est très violent, c'est d'une persistance phénoménale. Alors c'est un chaos conquis.
Louise, nous sommes dans un endroit très... très mystérieux, et en même temps, il n'y a aucun mystère dans votre travail, comme vous le dites. Il y a beaucoup de miroirs. Oui. Qui renvoient... c'est le symbole du miroir. C'est le symbole du miroir qui veut dire qu'il y a, il y a beaucoup de miroirs, veut dire qu'il y a beaucoup de réalité. Il y a votre réalité, il y a Jerry's reality, there is my reality, I have several. And that's, that is what it means. Évidemment que le miroir est un symbole qui peut représenter plusieurs choses. Par exemple, dans le mythe de Narcisse, qui est très beau et qui est très fier, qui est très vain, se regarde dans le ruisseau continuellement. Pourquoi est-ce qu'il se regarde? Vous savez pourquoi il se regarde? Il se regarde pour s'admirer, non? Je crois que c'est ça. C'est ce qu'on dit. Oui. En tout cas, ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici, mais si, c'est que Narcisse, quand il se regardait dans l'eau, qui est un aspect, qui est un miroir, ne savait pas pourquoi il se regardait continuellement, et nous ne savons pas ce qu'il voyait. Et d'ailleurs, de se regarder dans le ruisseau a été fatal. Il est tombé. Il est tombé dans son effort de se regarder et il s'est noyé. C'est-à-dire qu'il a perdu le sens de la vraie réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de réalités. Et il faut s'ajuster, il faut accepter le fait que les gens ne voient pas ce que vous voyez, que vous ne voyez pas ce que je vois. Et que c'est très bien pour moi, je n'ai pas de conflit, il n'y a pas de conflit. C'est tout. Oui, hein? Mais c'est déjà très important. C'est-à-dire Et tous ces miroirs sont, ça a voir avec la réalisation de la chose, tous ces miroirs sont mobiles, comme ça. Tous ces miroirs sont pendus, on peut changer l'angle, vous pouvez atteindre là, vous voyez? Oui. Par conséquent, c'est ça le dénominateur commun, c'est la flexibilité. La flexibilité et l'acceptance. Encore une fois, un monde qui est fait de granit, ça c'est fait de granit, et dans un monde qui est aussi très fragile. Alors il faut que cette cage parle pour elle-même. Personne ne peut l'expliquer en fait. Moi, tout ce que je demande, c'est que si, par exemple, un enfant entrait dans cette pièce et dise « Oh, ça me fait peur ici, j'ai l'impression d'être dans un rêve », j'estimerais que la communication a eu lieu entre l'œuvre d'art et le visiteur. Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches. Quand elle passe. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait des papillons? Qu'est-ce qu'on fait des mouches? Eh bien, on les conserve, et puis quand on est prêt, on s'en sert. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent. Et puis alors, d'un dessin, on en fait une peinture, et de la peinture, on en fait des sculptures, parce que les sculptures, c'est vraiment la seule chose qui me libère. C'est-à-dire, c'est une réalité plus grande, c'est une réalité tangible. Peut-être ce qu'il y aurait de mieux que la sculpture, ce serait des vraies personnes. Vous comprenez? Non, de rencontrer de vraies personnes, de parler à de vraies personnes, de s'adresser à de vraies personnes, c'est-à-dire d'introduire des visiteurs dans les maisons vides.